c'est bon, je crois. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Effet voix. Effet voix, café. Touille et café. Il y en a besoin. Oui, pourquoi je me mets bien comme il faut aujourd'hui pour enregistrer cette émission? Parce que nous allons aborder un sujet qui pour moi est difficile. Ça va être un shmup. Alors c'est pas censé être difficile pour monsieur qui a un shmup, mais enfin, ça va être un shmup horizontal. Et là, les connaisseurs et les gens surtout qui suivent la chaîne savent très bien que monsieur K n'est pas adepte du scroller horizontal. Non, pas du tout. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, et je la garderai en exemple, moi c'est mon exemple que j'aime donner aux gens, c'est l'être humain. Si l'être humain c'est mieux attraper les pommes que les gazelles, c'est pas pour rien. Voilà. Oui. Et là, les connaisseurs, vraiment, je ne rigole même pas, comprendront de quoi je parle. Et je vais vous le montrer plutôt que d'en parler. Puisqu'aujourd'hui, on va donc dans un shmup horizontal. À la forte réputation, puisqu'il a marqué beaucoup les esprits, il a bouffé beaucoup de pièces, surtout, qui est de la série Darius. Et oui. Et donc aujourd'hui, on va se faire le Darius 2. Alors, pourquoi je prends autant de temps pour introduire le jeu du jour? C'est que j'ai sous-entendu qu'il y avait quand même des soucis sur les shmups horizontaux, puisqu'ils sont plus compliqués du coup pour le joueur à gérer que les verticaux. Les verticaux, en général, le décor ne compte pas. Sur les horizontaux, c'est quasi systématique. Donc vous avez en plus des ennemis un petit peu énervés ou pas, des boss furieux et longs à dégommer. Vous avez le décor à prendre en considération, et ça, pour un cerveau humain réduit à son fonctionnement essentiel, c'est quand même assez compliqué. Et je reprends l'exemple de la pomme et de la gazelle. Il a été prouvé par A plus B qu'on arrive mieux à attraper un truc qui tombe qu'un truc qu'on balance de droite à gauche ou de gauche à droite, comme vous voulez. Et oui. Et conscient de ce phénomène-là, les gens à l'époque étaient coincés sur des 4 tiers qui ne faisait pas confort au pauvre shmup horizontal. Et vous l'aurez tous remarqué, très rapidement dans les premiers shmup horizontaux, se sont installés deux bandes noires au-dessus et au-dessous. Pas pour faire cinémascope, hein, mais juste pour ramener des proportions à une distance de vue supportable. Puisque oui, sur un quart tiers, ce qui arrive à droite de l'écran arrive très très vite. Donc vous le voyez apparaître quasiment au dernier moment. Si on élargit le champ de vue, en réduisant verticalement, et ben du coup, on améliore l'anticipation puisqu'on voit l'objet venir bien avant. Je pense que je l'ai pas trop mal exprimé. Fort de ce savoir, les concepteurs de Darius à l'époque n'étaient pas vraiment satisfaits de ce qu'ils avaient fait. Et pourtant, il était déjà nourri en bande noire, le pépère. Et Darius 2 est arrivé, et il a tout changé. Puisque Darius 2, regardez-moi cette console. Oui, c'est un monstre, c'est un titan. Ce sont deux écrans 4 tiers réunis dans une unique borne. Oui, là, il faut un semi-monstre parce que c'est respect the monument, quoi. Hormis les performances techniques pour arriver à synchroniser tout ça et programmer un truc qui tienne la route derrière, je tiens quand même à vous signaler que ça, c'était la version des petits joueurs. Puisque au Japon, et uniquement au Japon, ont existé quelques bornes Darius 2 avec 3 écrans. Maintenant, je peux plus parler, quoi. Il n'y a même pas de commentaires à donner. Donc vous voyez l'enjeu qu'il y avait quand même pour ces développeurs vicieux qui pensaient vraiment à tout et qui se disaient, bah, pour améliorer nos jeux, on va améliorer la largeur de champ, comme ça, sur notre scroller horizontal, le joueur pourra voir venir de loin les choses. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir comment ça marche sur un vrai humain que je vais prendre au hasard et qui est moi-même, qui n'est pas copain avec les shmups à des films horizontaux. Et qui va se faire un plaisir de vous montrer la version Darius 2 à deux écrans quand on ne l'a jamais parcouru. On est donc parti dans cette version de Darius qui s'appelle Sagaya pour le reste du monde. Alors vous voyez tout de suite l'effet que ça fait. Oui, c'est large, hein. C'est très très large. Mais même aujourd'hui, en 2020, quand on a nos écrans panoramiques, on fait pas trop le malin en face de ça. Parce que niveau optique, déjà, vous avez les bras tendus hein, pour tenir les manettes sur la borne, parce qu'il faut du recul. C'est énorme, c'est vraiment énorme.
Ma voix s'éloigne, c'est normal, je m'éloigne de l'écran, c'est très large. Comme quoi? J'ai pas entendu, vous êtes trop loin. Putain, pourquoi j'ai dit oui? Alors effectivement, ils arrivent de loin, on les voit venir. Mais le temps qu'ils viennent sur le côté gauche, on a totalement oublié ce qui se passait à droite. Oui, parce que là, j'ai l'impression que mon cerveau est en train de découper en deux le... Bah, ce qu'il y a à l'écran, ce qu'il y a aux deux écrans, mon cerveau fait la séparation, j'ai l'impression, oh putain, oh, je vais morfler, moi. Je vais pas y aller. Et du coup, ah, mais laisse-moi parler. Et donc, je disais, avant de m'égarer là, oui, ça fait super quand même bizarre. C'est, pour un schmeupeux, c'est pas normal, quoi. C'est là où vous faites, je regarde quel écran. Vous voulez tout le temps dissocier, hein. Vous voulez ou regarder à gauche ou regarder à droite, mais vous vous sentez pas sur un écran unique où vous voyez loin. Ça fait super bizarre comme ça. Oh, station. Non, tu fais pas ça, mec. En plus, on les voit venir, tes trucs. Ça me donne un air encore plus ridicule. Ah, chouchou. C'était le petit laser de l'amour. Oui, j'ai fait toujours chouchou avant le laser de l'amour. Oh là 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 là. Ça va être pénible, ça va être douloureux, ça va être. D'autant plus dommage que le jeu est loin d'être moche, quoi, mais. Je pense qu'il a un coef de mémorisation qui doit le mettre sur le top des shmups horizontaux. Hein? Il est mort! Il est mort! J'ai passé le premier niveau! Libéré! Nanana. Non? Ah. Et bien voilà, c'était Darius 2. Comment ça, j'ai plus le droit de m'arrêter? Mais pourquoi? Alors aujourd'hui, vous aurez bien compris que j'ai pas accès à la borne, c'est une version émulée, mais vous avez. Ils ont quand même pris le détail de scinder les deux écrans, ça c'est marrant. Je sais pas ce qui m'attend, mais ça va être très très. Et on se croirait dans Scramble encore. Alors je fais un blocage sur Scramble, je vous expliquerai peut-être pourquoi. Plus tard. Une autre fois, dans une autre vie. Je crois que je vais devoir ressortir mes clones. Alors, je pense. Ça déconne plus là. J'étais en train d'essayer de penser, mais cette explosion atomique m'a totalement bouleversé. Je ne sais plus ce que je fais, je suis Ron Burgundy à nouveau. Putain. Oh non. 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 Je préfère me marrer parce que je sais comment ça va se passer. Ah. Il est bien ce bouclier, je vais le garder jusque tout le temps. Ok. Donne-moi ça. Attends, 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 attends. Alors c'est chaud chaud d'arriver à conserver un bout d'armement. Parce que je présume que quand je vais crever mon armement, je pourrais lui dire hein, on saura où il est, dedans, très profond, à un endroit si noir et obscur qu'on ne le retrouvera jamais. Je sais pas comment je passe en vous parlant en même temps là. Je vous garantis que je n'ai jamais joué à Darius 2. Jamais ou grand jamais. Ah putain. C'est chaud chaud le truc là là-haut. Si on passe pas avant qu'il se déclenche, c'est mort. Je vais me mettre à droite. Alors d'ailleurs une stratégie de jeu. Attends-moi. Il doit y avoir une stratégie de jeu justement. Et à force de rôder le tableau, traduire à force de mettre des sous dans la borne, certains joueurs ont pu repérer dans quel endroit il était plus. What up? Ah j'ai plus de shield par contre. Il m'a coûté cher ce one up. Dans quel endroit de les, dans quel des deux écrans carrément il était plus judicieux de se placer? Ta-ta-ta-ta-ta, oui bien sûr. Il est très fort ce ta-ta-ta, je trouve. Ah, la star du jour. Non, c'est pas moi qui ai mangé ton frère poisson le premier. C'est stressant avec ce ta-ta-ta-ta. Hein. Alors je pense pas que ce soit le bruit d'époque. Ah! On y retourne. Ah, canaillou. Tu veux que je la fasse? Tu veux que je la fasse? Un des vices quand même des Darius sur les boss, c'est qu'il faut vraiment viser un endroit précis. Et en général, c'est celui qui vous crache des bonnes flopées de tirs. J'ai pas désigné ces tirs bleus, mais quand même, puisqu'on en parle. Oh putain, ma hitbox, elle fait 20 km en plus. Je me suis réellement fait avoir par la Xbox. Hein. Vous repasserez au ralenti.
Je peux parler? Merci. Il faut repasser au ralenti, mais c'est vraiment la hitbox qui était énorme. Genre, c'était le pixel. The Fatal Pixel. Alors, l'effet optique, du coup, est-ce que c'est vraiment mieux d'avoir du ultra-wide comme ça sur de l'horizontal? Maintenant, moi, je suis pas certain. Oh, le luxe! Mieux que dans Outrun. On peut choisir. Bah, je vais faire ça. Démultiplier les plaisirs et soyez sûr que le joueur va remettre des pièces pour refaire l'autre parcours après. Si tant est qu'il arrive au bout de ce jeu. Non. Une fois qu'il aura inséré l'équivalent du PIB de la Belgique. Non, j'exagère pas. Je le pense réellement. Ah putain, mais c'est un calvaire ce truc. Je veux plus y aller, je veux plus y aller, j'ai plus envie. Non. Non! Oh là, le truc du White String, c'est qu'on voit de venir de très très loin sa mort. Hein. Ça, je peux le confirmer, comme effet, ça marche. Bouge-toi, toi. Oh, tire pas là-dessus! Ne tire pas là-dessus! Je crois que c'est le passage zéro tir, ça. J'ai compris la feinte. Il y a un jour, il faudra tirer, je pense. Mais pas maintenant. Hein? Regardez. Avec tous des petits Fonzie, on tire pas. Il va peut-être falloir tirer un jour, là. Oh putain, oh putain, oh putain. Pourquoi j'ai dit oui? Ah, le retour, je me suis pris le retour. J'ai cru qu'ils allaient sortir d'écran, ces couillons, et... Ah, c'est quoi, ça? Non, tire pas! Tu les laisses passer, c'est des petits Fonzies, ils sont sympas. Non, tire pas, je t'ai dit! C'est la nature humaine, ça, c'est... Vous voyez de l'offensif? Vous répondez par de l'offensif. C'est pour ça que tu n'auras jamais de paix mondiale. Ça y est, j'ai donné la solution du grand tout. 42, c'était rien en comparé. Ah, je me barre, c'est n'importe quoi, là. Faudrait peut-être que j'arrête de tirer, je sais pas. Parce que c'était perve. Non. Arrête, tire pas. Ça sert à rien. Ils sont plus nombreux que toi. Alors je commence à m'adapter à la vision dual screen du jeu. Mais c'est pas pour autant que j'ai l'impression d'arriver à quoi que ce soit de correct. Ma Z. Oh, comme c'est sport. Je vous rappelle, vous êtes dans le premier run de Monsieur K dans Darius 2. Que d'émotions, que d'émotions, que de vivre. Et oui, dans la peur. Ah, mais c'est pas une tortue, ça. Le bullshit total. Je m'attends à une tortue, l'autre il met un serpent. Tu me prends pour qui, Gonzo, là? Ah! J'avais complètement zappé que je peux utiliser les deux parties de l'écran et que mon vaisseau se retourne automatiquement! Oui, il faut le dire un petit peu avec l'accent allemand, ça donne plus de côté impressionnant. Oh, j'ai pas fini de jouir sur ce jeu. Non. Rappelle-toi, tu peux te retourner, tu peux te retourner. Lui, il le sait pas, mais toi, tu le sais maintenant. Attention, il tire pas en dessous des fois. Et là, il va te foncer dessus. Non, pas encore. Après. Non, pas encore. Après. Non, pas encore. Là, maintenant. Il vient droit sur nous! J'ai à repomper? Non, pas du tout. En tout cas, lui, je vais le réguler, ça c'est clair. Calmos, gros. C'est ça, tourne autour, vas-y, cherche. Là, il prend cher, et il va droit sur toi. Alors, je comprends qu'il y ait des fans absolus de ce jeu. Ceci dit, moi, je reste sur mon. Oh, les missiles qui vous lâchent pas la grappe, quoi. Je reste sur mon opinion. Oh, c'est quoi, ça? Ah, les petits carrés méchants. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est à moi. Ça me protège. Ok, non, mais j'ai eu des... Non. Il y a un truc mythique. Il y a un truc mystique qui est en train de se passer sur l'écran. J'ai rien compris, quoi. Oh, putain, on va pas y arriver. C'est pas possible. Même pas d'un tir dans la tête, je suis déçu. Alors je disais donc qu'il y a des fans absolus, oui. Mais franchement, je pense que ces fans-là ont dû commencer sur des versions, non pas sur arcade, mais sur console, puisque le jeu a été décliné face à son succès arcade sur noir de console, quoi. Quasiment tout ce qui existait à l'époque. Qui c'est qui a fait ce tableau, les gars? Non, moi j'y vais pas là, j'ai bien compris. Ah, non. Et ces trucs-là, ils pètent juste à la bombe, quoi, j'ai l'impression. What? Je sais pas. C'est moi qui fais ça? Non. On va jouer offensif, les gars. On va squatter le tableau de droite. L'écran de droite.
Oh, vous me comprenez. C'est vicieux, ça. Comment je passe, moi, les gars? Eh, j'ai une idée. Et si on devenait potes? La barrière laser, non, 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 non. Oui! Oh, faut vraiment une microseconde pour passer, quoi. C'est qui a fait ce tableau? Je savais plus quel côté regarder, pour être honnête. C'est pour vous que je continue. Parce que là, normalement, la manette, j'ai moins envie. Elle me fait mal. Hein? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je passe là-haut, je suis mieux. Ces tirs passent pas à travers, ça c'est la bonne nouvelle du jour. On se sent pas très en sécurité dans ce jeu, hein. Et puis alors chaque seconde, hein, c'est ça va le finir. Je le savais. C'est moi ou ça fait 2 jours qu'il m'a pas filé de bonus le truc? Parce qu'on a commencé à streamer, c'était quand? Jeudi? On est dimanche même. Le temps devient long, oui. Non! C'est plus un shmup, c'est une partition classique le truc là. Ça va vite, par contre c'est bien. Oh, on va se faire plaisir tous les deux. Attends, je m'en vais, t'es pas drôle. Ah non, non, il me saute dessus. J'ai cru que j'allais me prendre la patte sur la couenne. Non! Alors ça me rappelle une très très mauvaise expérience, je sais pas si vous avez vu mon émission sur, non pas Gradius, mais Darius. Non pas Darius, mais Gradius. Et sur Gradius, Nemesis, hein, je veux dire, je préfère mieux, c'est son vrai nom. J'avais fait voir comment j'étais mauvais à ce jeu. Et j'étais resté coincé au premier tableau sur le passage du volcan. La honte totale, quoi. Et en fait... Oh, putain, on y va, 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 on y va. Non, non, non! Et en fait, il me rappelle ce volcan. À part qu'il bouge, lui. Enfin, il bougeait quand il avait des pattes. Là, c'est fini. Là. Fini les papattes. Fini! Ah, moi aussi, fini. Vous savez qu'il faut que je me mette en hauteur, c'est bien, mais je l'atteins pas. Et vers le bas, je l'atteins, mais je me mets en risque monstrueusement, quoi. Allez, la preuve. Je me suis même scratché au sol. Aïe, 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 aïe. Bon, le mieux, c'est de bombarder. Ah! Il n'y a rien de mieux, en fait. Y a aucune stratégie pour ce boss, c'est pas possible. Arrête. Non, la bombe, c'est pas mal. Ah! Mais il faut super anticiper, du coup. Alors, je sais pas comment on va paraître ce stream. J'espère qu'il sera coupé au montage, parce qu'il y aura des tas de choses horribles. Y compris des cris de filles. Et c'est pas ce que je veux que vous entendiez, les gars. Ah, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Est-ce que quelqu'un a compté le nombre de crédits? Bon, la bonne nouvelle, j'allais dire, la bonne nouvelle, c'est pas tiré à la verticale. Les boulettes, non. Mais les petits anneaux verts, là, c'est... Oh non, arrête, putain, arrête. La 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 la. Wouh! Oh putain! Ah oui, non, mais là c'est l'hystérie totale. C'est le. Je me tâte, mais j'aime bien les lettres dans l'ordre, je retiens mieux quoi. Peut-être qu'il faut tout enregistrer dans ce jeu. Combien de crédits j'ai mis? Je crois qu'on a passé la quinzaine. Au moins. Alors, je vais essayer de pas déconner. Je parle pas. Ok? C'est une faute d'attention, c'est pas grave. Je vais revenir dans le mood. Je vais pas sous dans cette merde, moi. Imaginez que le même jeu vous remette comme les vieux jeux old school, un petit peu en arrière à chaque fois. Là, en fait, je serais dans le négatif du jeu, je pense. C'est-à-dire, je serais avant même qu'il ait été développé, quoi. Mais non, mais non, tu... Non! Non! Et cette voiture, elle est trop choupie, on dirait une Countach avec une tourelle. Ah putain, je rigole trop pour arriver à faire quoi que ce soit.
On va au bout? Ouais, on va au bout. On est des warriors? On est des warriors. Ah, je vais te pourrir à la bombe, toi. T'as vraiment une sale tronche. C'est ça, d'accord. Ouais, ok. Allez, c'est toi qui gagne. Non, c'est... Non, t'es... oh là là, ça sent la blague. Ça sent le joke. Oh, le sale joke. Tu fais plus jamais des jokes comme ça. Ils sont tout pourraves, tes jokes. J'en veux pas. Je me barre. Tu as... Non, 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 c'est trop louche. Ouais, il va... Ah, oh, je rentre à ma maison. Non, c'est bon. Je me rends. Je me rends. T'as gagné. C'est quoi ce... Non. Mais non. Tu fais pas ça. Non, monsieur. Non. Non. Non, mais même si c'est pas possible. C'est autorisé ces armes? Hein, quoi? Quoi? Comment? Et en fait, c'était un mec qui était dedans. Mais ce n'est peut-être pas fini. Quelle tension. Alors, le truc super dommage, c'est que je viens de remarquer que le son du jeu est super bas. Vous l'avez quasiment pas chez vous depuis le début du stream. Et donc cette émission sera probablement à refaire. Alors je m'en fous, je la foutrai en bonus. Je suis pas un fell prêt. J'assume totalement. Puis de toute façon, c'est un peu la signature d'émission. C'est ça. Non, 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 non. Va des rétro. Psh, psh. Ah, psh. Bien bête. Est-ce que je vous tente la montée de son en 8 secondes? Ça va être chaud. Oh putain, c'était in extremis, j'ai réussi à vous remonter le son, maintenant ça va gueuler, je dis plus rien! Comment vous voulez aligner les trucs avec la diagonale en même temps qu'il y en a d'autres qui se préparent depuis 5 minutes tout au bout de l'écran, tellement loin que vous les voyez flous, à vous arroser la gueule de tout et n'importe quoi. Le timing qu'il faut pour passer ce niveau quand on ne connaît pas. Grand octopus. Donc c'est pas grand corps malade ça. Allez, viens la poulet. Comment ça, c'est un poulpe? C'est même pas un autopus, c'est un nom ça, c'est un... Ça finit par bit. Je déconne même pas, hein, c'est vrai. Un trilobite, voilà. Les gens ne croient pas, hein, Monsieur K ne dit pas que des conneries. Ça se passe trop bien pour l'instant, mais c'est le après qui va être drôle. Pas drôle. Ouh, le grand méchant. Alors ça se cancel ces tirs là? J'ai pas tout compris. J'aurais un meilleur tir, ça passerait peut-être mieux, mais... Monsieur, t'as un trou dans la carapace. Monsieur, monsieur. Mais fais pas ça, quoi. Passe à autre chose. T'as bien vu que ça marchait pas. Monsieur. Monsieur. Non. Faut les passer par-dessus, par-dessous. Mais faut pas rester en face, quoi. Négociation, tout ça. Ils connaissent pas, les mecs. Hein. Ils ont jamais appris. Soyons avec eux, hein. On est dans l'eau. Ça sera mon meilleur stream code, je pense. Alors, une fois qu'on pige à peu près comment ils sortent, c'est assez... Vous n'avez rien vu. J'allais dire, c'est assez plus simple. Mais non, c'est plus ou moins compliqué, c'est tout. Oh putain, c'est chaud. Non! En fait, il y a une temporisation au moment où il change de direction par rapport à où vous vous trouvez. Et il faut la connaître. Une fois que vous la connaissez, ça se passe, mais... Crème. Crème fraîche, même, si vous voulez. Si vous la connaissez pas comme moi, ça fait mal, quoi. On peut changer de pattern, ils sont moches, ceux-là. Stop. Bien, pas trop dur, stop. Stop. Stop.
Je vais me faire un mushi, mais ça m'a juste après, j'en peux plus. Je veux mourir. Je veux mourir. Killing me softly with this game. La na 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 na. La 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 Rage! Non, ne laisse pas la rage te prendre. Laisse-toi une chance. Allez, dégage. Oui, mais ce n'est pas fini, il y a un autre boss. Parce que c'était un multi-boss pour la fin. En fait, je me rappelle même plus de la map, je sais même pas si c'est le dernier niveau. Si, je pense. On a déjà été gourmand. J'ai l'impression que ça fait 5 jours que je stream. Ah, on est mercredi? Ah, c'est le jour du shmup, ça tombe bien. Quoi? Vraiment? Mais... Pour toi, viewer, sache que l'engagement de Monsieur K n'a pas de limite. On va le voir, le boss final. Peu importe le nombre de crédits que ça prendra, vu qu'on en a déjà passé plus de 20 pour arriver jusque-là. Et donc, je vais revenir quand même à la théorie de départ, qui était bien. Donc, quand je vous expliquais que, effectivement, bah... Si l'être humain sait mieux attraper des pommes que des gazelles, c'est pas pour rien. Bah voilà, on a eu la démonstration pendant cette longue douloureuse session qui m'a rappelé des stages dans des établissements où on porte du latex et où il y a des fouets. Putain, non. Et si vous voulez que j'aime ce jeu après ça, je vous le dis tout de suite, c'est raté. Ça marchera pas, j'ai pas envie de mémoriser ce jeu. Il est joli, c'est spectaculaire, il fait de l'effet, mais putain... Voilà. Je sais de... Oh, cette hitbox, je la maîtrise toujours pas. Je cède à mon vieil adage du shmup horizontal à mémoriser par cœur, alors que dans le vertical, on a quand même un peu plus de place à l'improvisation, je trouve. Et je persiste et je signe, je suis Monsieur K. Et si ça ne t'a pas plu, eh ben tu commentes et tu argumentes surtout, ça sera pas mal. Commenter, je pourrais le faire moi tout seul. Chaud les haricots. Ils sont moches, eux. On dirait qu'ils ont été piqués dans le turrican. Plus je dis de saloperie, le jeu m'entend. Et il se venge immédiatement. Purcula. Oh non, pas là. J'allais me prendre la plateforme sur la gueule. C'est le jeu vraiment de toutes les souffrances qu'on ne connaît pas, quoi. Et j'ose pas imaginer le nombre de crédits qu'ont dû insérer les gens qui tout fièrement ont pu dire je l'ai fini. Parce que c'est quelque chose dont on ne veut pas parler, je présume. Et ça doit être des chiffres complètement hallucinants. Genre le PIB de la Belgique, on comparait, c'était light, ça faisait les deux premiers niveaux, quoi. Non, mais je sais pas, mais je trouve ça problématique dans ces jeux qui sont magnifiques. Mais à la jouabilité... Alors on va dire dure, moi je vais dire qu'elle n'est pas assez réfléchie, du coup. Parce qu'à l'époque, ouais, bah, on était satisfait de ça, et c'est normal. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'on s'en satisferait si on devait sortir ce produit. Là, il y aurait quelqu'un qui gueulerait derrière en disant... Eh gars, ta partition là, faudrait que tu laisses un petit peu de place pour le free jazz quoi, non? Il clignote jamais lui, on va y passer la nuit. J'avais prévenu, moi j'ai amené mon sac de couchage de toute manière. Ah si, mais c'est pas fini là, c'est que le début d'abord. Il va appeler un frangin ou il va se transformer en méga mutant, ça, il y a un plan comme ça je sens. J'ai pas eu le temps de réagir. Je suis resté assez bouche bée. J'ai eu une demi-seconde de bouche béitude. Ça va pour l'instant, ça va. C'est après que... Parce qu'il va nous mettre un autre truc, quoi, pour assaisonner, je pense. Le spectacle.
Ah, il y a du spectacle quand même, parce que les patterns, ils sont pas hyper chargés en boulettes. Avec déjà tout ce qu'il y avait affiché à l'écran, la borne devait ramer. Mais il y a des super idées sur les patterns, parce que c'est des trucs très vicieux, très pointus, quoi. Alors qu'on les connaît un petit peu, ça passe, mais le mec qui avait jamais vu ça, il devait pleurer un peu du sang quand même. J'arrive jamais à le shooter. Tu bouges pas. Ça, c'est quand même magnifique. Je pense que ça fait partie des premiers shmups qui ont dû instaurer ça. Le tu bouges pas. Qui fait tout un gameplay qu'on se faufile en général dans des patterns un petit peu foireux. Compliqué. Merde, j'ai pas dû bouger. Et du coup, c'est vachement marrant de voir. Ce titre-là probablement fait partie des premiers qui a instauré ce genre de pattern un petit peu vicieux. Effectivement, il faut se caler. Tu bouges un peu, mais pas trop. Tu bouges un peu, mais pas trop. Arrête-toi, arrête-toi, j'en ai marre. Ah, c'est long, bordel. J'ai les deux doigts rivés sur le tir qui commence à avoir des crampes. Je vous le dis carrément. Ah, c'était juste pour relâcher le tir un peu. Comment ça, c'est pas valable comme excuse? Oh, totalement. Vous vous rendez pas compte. Et à chaque fois, faut aller se placer pile là où il y a où on veut pas être, quoi. Soyons clairs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va chier dans le ventilo? Allez. Ah non. J'ai pas compris ce bonus ou ce malus là. Faudra qu'on m'explique. Ah bah là de toute façon c'était ou boulette ou missile. Hein. J'ai un peu cherché. Je pense qu'on va passer les 30 crédits là. C'est totalement sale. Il est toujours pas rouge hein, le gars. Il se marre là. Il fait. J'ai tout mon temps. T'as déjà éplé anti-constitutionnel le mon. Il se fout de moi en fait, je crois. Beaucoup. J'ai pas moyen de le taper quand il est comme ça. Et à l'usure ça marche. À l'usure vous en avez marre. Vous êtes là, vous faites. Ah, je veux que ça s'arrête. Une fois que vous sortez du rail, c'est bon, vous pouvez plus revenir dedans là. Il y a les trois boulettes blanches, elles sont un peu chiantes. Bim! J'essaie de rester le plus en face de lui, mais c'est un calvaire. Blim! Alors, je suis bien content, quelque part, que vous n'ayez pas le son comme il faut, puisque ça vous fait un peu partager de ma douleur. Parce que là, oui, là, il faut que vous preniez ma douleur. Oui, qu'est-ce que c'est cette connasse? Ah, ah non, non, mais non, mais il est pas. Il rougit pas ce truc, c'est un machin sans fin en fait, c'est bidon. Depuis le début, on se fout de ma gueule. Ah, ça y est, il a rougi. Let the sunshine, let the sunshine, let the sunshine, parce qu'on est tous des petits fonzi. Ah, ou des tifosi, ça dépend de l'activité, mais là, j'ai dans le chemin, je sais pas trop, puis j'en ai marre. Je descends.
Ce boss est long. Ce boss est long. 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 Il est très long. Il est extrêmement long. Et il est mort au moment où je réinsérais des crédits pour le voir mourir. Et bien désormais, vous saurez tous avec moi ce qu'il y avait dans la tête d'un développeur de chez Taito quand il songeait à créer ce jeu de la perversion et du vice extrême, qui est Darius 2. Et il était plein d'idées, le bougre, puisque les nuits suivantes, il a fait d'autres cauchemars en se disant « Je ferais bien une borne avec 15 écrans. » Nous le verrons dans un autre épisode. J'ai beaucoup souffert. En tout cas, c'est un jeu à essayer une fois dans sa vie. Si vous voyez la borne, estimez-vous privilégié parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et elles sont vraiment très massives, donc c'est très très chiant à trimballer. Oui, autant une borne d'arcade classique, malgré son pied en ciment, ça se bouge avec un diable. Là, on rentre dans des volumes où c'est quand même largement au-dessus. Je vous incruste les playlists habituelles. Et je m'en vais manger du sushi pour me manger, tiens.